Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis content de vous présenter une autre vidéo que nous avons dit. Je vais vous montrer comment il est facile pour nous capables de dépanner un shower valve. Okay? Ou bien ça relève un robinet de douche. Shower valve ou bien robinet de douche. Donc nous avons là, si nous regardons bien, qui a dégoûté. Okay? Il continue à dégoûter sans arrêter. Même si vous voulez, vous fermez. Vous remarquez ça? Même s'il ferme, il continue à dégoûter. D'accord? Donc, il va aller suspendre, dégoûter. D'accord? Même s'il ferme. Et c'est ce travail ça, que nous allons faire ensemble. Nous encourageons pour nous capables de suivre la vidéo okay? Jusqu'à la fin pour nous capables de voir tout le processus. Si vous pouvez vous abonner avec la chaîne, pas oublier de faire ça. Kounia. Ok, si nous regardons en bas à droite vidéo, n'a pas subscribe ou bien abonner, peser sur lui, comme ça n'a pas bien abonner et puis tout étirer petit cloche notification sous personnalisé, mettez sous tout, comme ça à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, n'a pas capable d'arriver à joindre vidéo automatiquement. Donc, en nous le premier bagage nous besoin faire ensemble. Premier bagage nous besoin faire. Avant de commencer ce travail là, on va aller dans l'entrée de l'eau. OK, voilà, on ferme complètement et puis comme ça on va commencer et faire intervention que on pour faire. Ok, on a besoin de petit pince. Ok. Voilà, il y a ces pièces là. Nous marquons moins 12-22. Donc nous assurons que c'est un acheté le même numéro avec ça que nous allons remplacer. Ok? Donc c'est ça que nous allons remplacer. Il mettait protection ça à la donne. En façon les nappes de vaisselle pour pas craser pièce là. Okay, donc c'est pour ça que vous mettez. Donc mes pièces qui plus important pour faire travailler ça c'est pièce ça que vous regardez là. Vous voyez bien? Voilà. C'est pièce ça que vous regardez là. Mes boîtes là. C'est un sorte d'ajustable. Un sorte d'ajustable qui fait spécialement pour ça. Mais toujours ces mêmes modèles avec valve que nous allons tirer. Ok, ou bien robinet douche là, faut que les mêmes modèles avec clear. De façon pour le capable de sortir plus facile. Donc, ça va être facile du tout pour étirer là, parce que le fait que le gaz quitte ça et crasé, ok, il permet que les plus difficile encore pour sortir. Et c'était ça même qui fait de l'eau de continuer à dégoûter, qui fait pas traiter. Vous avez remarqué ça? Le gaz quitte ça et ok, c'est eux-mêmes qui ont mis de l'eau, qui empêchent
OK, qui empêche de couler. Donc gaz qui là tu commencé manger et gaz qui là qui manger à Kimbil. Qui fait que c'était difficile comme ça pour sortir. Mais nous arrivons à réaliser, nous étions quand même pour y aller là. Deuxième bagaille que nous besoin, c'est checker pour nous, est-ce que tout morceau, tout morceau gasket ou bien caoutchouc est sorti. Nous besoin assurer nous que tout morceau caoutchouc ça est sorti. C'est ça que fait. Non seulement, on a besoin de checker tout morceau. On a besoin d'étirer tout morceau de caoutchouc qui est dedans robinet. Mais on a besoin tout sabler en dedans tout. OK? On a besoin sabler tout en dedans côté nous va mettre nouveau pièce là en façon pour qu'elle rentre plus facile. OK. Donc, le morceau de caoutchouc qui est là-bas est difficile. Donc, il fait bon quand même. OK, donc, voilà. OK. Donc, ça qui était pour nous, il était pour nous sabler espace là. Donc, on va utiliser sabler numéro 120. Parce que il y a 20 degrés en dedans sur eux. Ça veut dire 20 degrés. Il est capable de tomber en dedans là. Il va ressortir. Tout ça qui va sembler. Ok. Assurez qu'elle est bien sablée. Vous pouvez utiliser un outil qui est en mèche. Alors, ça c'est juste un mèche qui est capable de filer une barrière qui est rouille sous lui. Vous pouvez utiliser tout, mais si nous pas gagner, nous devons prendre plus de patience avec le sablier jusqu'à ce qu'il soit bon. Pour nous faire plus rapide, nous pouvons utiliser ça tout. Pour qu'on va bien nettoyer. Maintenant, on va mettre nouveau pièce. Il y a un petit problème dans le cougnier. D'accord, ça c'est en graisse. Ok? Parce que, premièrement, nous avons besoin de bien nettoyer. Si pas bien nettoyé, pas bien, et pas rentrer avec facilité. Mais il y a une graisse pour aider que le travail là fait plus facile toujours. Une graisse ça. C'est les mêmes que nous allons mettre. OK. C'est les mêmes que nous allons mettre sous gaz qui dure. Okay.
assurez-nous qu'elle y entre droite. Ok. En même temps, on a fait l'effort pour ne pas faire trop pression sur le tuyau. Ok, voilà. Il y a tout là. Maintenant, il y a une pièce, ça, on va le mettre. Là, assurer que si vous va rentrer, c'est que okay.
Maintenant, nous avons ici là, ça va aller en avant, comme ça, ok, et puis ça va aller attacher là. Donc, travail ça que l'on fait là, pas oublier, c'est parce que au binaire, même s'il ferme, il doit continuer à dérouter. Ok? Mais comme ça, tout, ou dès que vous avez une douche là, ou pas une l'eau chaude, c'était le même travail ça, ou tu as fait, pour être capable d'arriver à résoudre le problème. Parce que ces valves là qui combattent tous les problèmes. Valves là qui ont des problèmes de l'eau chaude, qui ont empêché la douche là-bas de l'eau chaude. Ok? Comme ça, tout valves là qu'on fait et douche là a coulé de l'eau, a dégoûté de l'eau sans arrêter là, ça. Ou pas gagner d'autre choix. Ou obligé changer robinet, ok, obligé changer chariot valve ou bien ou changer robinet. Donc c'est exactement ça. Ok, qu'on y a ce moment pour nous essayer le travail qui se fait là. Ok. Voilà. Est-ce qu'elle a continué de dégoûter toujours? On va essayer. Fermez. On va essayer de fermer. On voit combien de temps elle a fait pour le camper. Ok. Voilà. Donc, c'est exactement comme ça. Douche là, c'est bousillé. Il va supposer dégoûter de l'eau, l'eau fine, fermer ni pour le continuer à dégoûter. Donc, le début continuer à dégoûter, avait dit c'est gasket ça qui est dedans qui finit, qui méritait changer. Ok, donc, merci tout le monde qui t'a continué à regarder la vidéo. Hein? Et qui continue à partager, qui continue à abonner tout, parce que c'est vraiment important. Donc, nous apprécions tout le monde qui est déjà abonné avec Chanel là. D'accord, eh bien, quittez-nous là pour le moment. Merci tout le monde. À la prochaine.